vient des rues grosses comme une tomate. Dans classe, tout le monde la voit promenouille, puis on se lance des petites boules de piquet. Mon prof de français se motive, puis il parle pas mieux que Stéphane Richer. Il fait des fautes sur le tableau, il devrait enseigner le boulot. Lui, je l'aime, des petits slim comme dans les films. Avec ses petites shorts serrées, on voit tout son set de clips. À l'école, toutes les profs sont dolles. Ben, j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. On parlera pas de mon prof d'anglais, y'a de l'air d'une truite pis sans mauvais. C'est un prof, mais seul mot qu'il connaît, c'est yes, toaster pis partenaire. Mon prof de bio, il est même pas bio. Mon prof de philo, c'est un filou. Ma prof de religion, elle a un chignon, c'est une école de cons. À l'école en jeans, on y regarde tout le paquet, puis on bave tout sur le parquet. À l'école, toutes les profs sont dolles, fait que j'ai toujours hâte d'aller au gymnase pour voir. Allez, va te voir le prof de gym, allez, ok. Et voici le prochain frappeur. Ici le prochain frappeur, l'autre après fera plus peur. Et de toute façon, dans les expos, il n'y en a pas de frappeur. Un frappeur, ça frappe en bas de 200, ça. Oh, la balle est frappée très haut et très loin! Et c'est le grand Chelem! Chelem, ce frappeur-là, oui! Alors voilà les joueurs qui rentrent au marbre en riant. Voilà le prochain frappeur. Yeah! Un point produit. As-tu un problème, Gilles? Non, non. Yeah! Tête au bat, bat, boy, cogne un circuit, cogne un circuit. Oui, tête au bat, bat, cogne jusqu'à décorer, swing ton bout de bois assez fort pour défoncer le gant. Oui, je pense que je vais aller voir les expos avec ma hand pis mes Les expos cette année, ils ont le moral ben pépé. Allô, Philippe! Tiens, Tim, de Wallach! Où est-ce qu'il est rendu, Gary? Va revenir dans un quarter! Lâche ma calotte, Marcus! La prochaine fois, je t'en grissume. Voilà, c'est un coup de sacrifice. Oh, et là, un sacrifice de coup. Walker est au troisième, Spike Owen est au deuxième, puis Youpi est au rez-de-chaussée. T'es au bat, bat, boy, cogne un circuit, cogne un circuit. Oui, t'es au bat, bat, cogne jusqu'où j't'assis, où j't'assis. Cogne assez fort pour que les gars au champ se rendent dedans. J'allais. T'es au bat, bat, boy, cogne l'asti, cogne l'asti. Come on, les gars, come on, des lino. Bonne matinée sur Europe 2, vous êtes avec Arthur et Jeanne. Vous êtes Arthur, oui c'est vrai, oui. Vous êtes tous des clones d'Arthur qui nous écoutez. Merci, Zora. Bonjour Zora. Bonjour. On s'est jamais vu, ça fait deux mois que vous vous cachez où vous en non, deux. Non, moi je vous ai vu, vous m'avez pas remarqué, c'est pas pareil. Bon, merci d'être avec nous, on vous retrouve quand? Tout à l'heure? Oui. Regardez, il est 8h du matin, oui. Vous êtes tous des clones d'Arthur qui... Bonjour Zora. On s'est jamais vu. Bon, merci d'être avec nous, on vous retrouve... 8h du matin, vous êtes tous des clones d'Arthur. Bonjour Zora. 8h du matin, on s'est jamais vu. Vous êtes tous des clones d'Arthur. Bonjour Zora. 8h du matin, on s'est jamais vu. Vous êtes tous des clones d'Arthur. Merci Dregno, merci Dregno. 8h du matin, on s'est jamais vu. Vous êtes tous des clones d'Arthur. Merci avec nous, on vous retrouve d'Arthur, tous des clones d'Arthur. Bonjour Zora, 8h du matin, on s'est jamais vu, tous des clones d'Arthur. Bonjour Zora, 8h du matin, merci avec nous, des clones d'Arthur. Yeah.
Okay, it's prêt, Barry? Oh, yes, baby. You've got the power, what's your deal? I've got the power! Don't have oh, shit. Go. Come on, let's make it, baby. I've got the power! Let's go. Baby. Yay! Okay, now, what's your name, baby? Geneviève. Oh, baby. Geneviève. Oh, baby. Baby, Geneviève. Oh, sex appeal. Sex avec you. Sex a baby, the back of the day. Okay, bye. Love, so oh, love, so oh, love, so oh, love, do it yourself. So on s'abuse de danse avec toi, je suis hot. Je suis hot. Je suis hot. Je suis hot. Je suis hot, mais c'est que mon canis. Dis-moi les roches toute la nuit. I need you, baby. Oui, dis-moi que t'es idiot. Ah.
ça peut être mal interprété si tu t'es pas levé du bon pied. C'est un peu bizarre à dire, t'entends ça, tu penses au pire. Mais c'est pas si mal que ça, la preuve c'est que j'en parle dans une chanson. Alors ça doit pas être si mal que ça, de toute façon t'as qu'à baisser le volume. Mais est-ce que c'est belle une fille? Ah comme c'est belle. À côté d'elle, mec, ça a l'air d'être fait pour tenir une pelle. Est-ce que c'est belle une fille? Ah comme c'est belle. Pourquoi faut-il que je démontre mes talents de con quand je me trouve près d'elle? Ça a commencé au lycée, il y avait une fille que j'avais remarquée. Elle s'appelait Dorothée, avait de jolis souliers. J'en étais fou. Mais un jour à la cafétéria, on déjeunait les moi. Elle a toussé deux, trois fois et a vomi son chocolat. Oh là, je l'aimais plus du tout. Mais est-ce que c'est belle une fille? Ah, comme c'est belle. Lorsqu'elle te regarde dans les yeux, tu te sens mal. Est-ce que c'est belle une fille? Ah, comme c'est belle. Pourquoi faut-il que mon quotient baisse à 12 quand je me trouve près d'elle? Un soir au bal d'étudiants, j'étais déguisé en orang-outan, assis juste à côté d'une fille que je regardais depuis un an. Elle m'a souri. J'ai essayé de lui dire quelque chose qui ressemble un peu à ceci. Est-ce que toi tu veux que ça fasse? Elle est partie. Mais est-ce que c'est belle une fille? Ah comme c'est belle. C'est pour elle que furent inventés les dentiers. Dentelles. Est-ce que c'est belle une fille? Ah comme c'est belle. Pourquoi faut-il que j'ai du persil entre les dents quand je me trouve près d'elle? Un jour j'étais dans un tabac et la caissière m'a fait un clin d'œil. Inutile vous dire les gars que quand elle a vu que j'achetais un Playboy, tout a changé. Un jour une fille est venue chez moi, je lui trouvais un petit je ne sais quoi. Mais quand elle m'a arraché mon linge, il me semble qu'elle avait l'air d'un singe. C'est peut-être moi qui ai dérangé. Mais est-ce que c'est belle une fille? Ah comme c'est belle. Jamais soir de Noël. Est-ce que c'est belle une fille? Ah comme c'est belle. Pourquoi faut-il que la chasse ne fonctionne pas la première fois que je vais chez elle? Est-ce que c'est belle une fille? Est-ce que c'est belle? Je sortais de la douche, en me séchant, je me regarde dans le miroir, j'ai pris du poids, c'est effrayant. J'ai glissé, je suis tombée par terre. Et je me suis cassé les dents de la mâchoire supérieure. C'est la vie. Ensuite je suis allée en ville en auto. Allez avance connard. J'ai trouvé un parking. Prends le vin. Et en y un c'est rangé tout abîmé. Une belle Mercedes Benz. Ah non. Mon propriétaire Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Une chose est sûre c'est que maintenant j'ai plus de carie. Salut mon beau sourire. Et c'est la. Allez avance connard. Prends le vin. C'est la. Oh non. C'est la vie. Solo. Avec toi chérie, étendons-nous un peu. Laisse-moi te regarder, te parler en buvant dans tes yeux. Oh, je crois que j'ai avalé tout rond. Un de tes verres de contact, mon chaton. Et c'est la. Bon, qui c'est là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a bientôt fini, tout ce bruit. J'arrêterai quand je voudrai. C'est la vie. C'est le voisin? Oui, salut. Je cherche mes dents. Pas assez pour manger trop. Un catabagie, je me
muffins. J'ai enlevé les raisins parce que je mange pas ça, les raisins. Pas que je les ai mis sur la table et je les ai regardés. Hi ho, c'est une autre journée. Après, je suis allé à la banque pour faire des transactions. J'ai attendu des cordons une heure et quart. Le petit buzzer avec la flèche m'a conduit à la caissière. Elle m'a sapé un coup de guichet voisin sur le comptoir. Yolo, c'est une autre journée. Et en tournant sur Marquette, tu sais, les bouches d'égout ont des petites pentes dedans. Je n'avais pas regardé, mon pneu s'y est engagé. J'ai reçu la barre transversale en plein dans le zipper. Cette petite chose qui te sort du nez. Tu rencontres une jolie fille qui d'un geste te fait remarquer. Cette petite chose qui te sort du nez. Ah vraiment? Tu regardes la vidéo de ton passage à la télé et tu vois cette petite chose qui te sort du nez. Oh non, ça c'est pas vrai. C'est le premier dîner avec les parents de ta fiancée. T'essaies de les convaincre que t'es un gars bien ordonné. Mais dès que tu te vois dans le miroir des WC, tu vois cette petite chose qui te sort du nez. Ça va dégâts. Dans ta voiture lors d'un embouteillage, tu t'affaires à retirer cette petite chose qui te sort du nez. Puis tu t'aperçois que tous les automobilistes te voient avec cette petite chose qui est maintenant sur ton doigt. Tu vas voir ton patron pour lui demander une augmentation. Et en sortant du boulot, tu te vois dans une vitre d'auto. Et tout à coup, tu t'aperçois que cette petite chose qui te sort du nez est maintenant sur ton veston. Quoi, tu hors nasal? Discrète et fine de ton doigt vers ta narine. Et comme ça il pourra constater qu'il a cette petite chose qui lui sort du nez. Yeah. Y'a rien de pire que de se cogner le bras et prendre un choc électrique sur le coude. Au bureau tu te retournes pour prendre la graffeuse. Choc électrique sur le coude. En te prenant tu te cognes le bras sur la porte. Choc électrique sur le coude. Se frapper la tête, le petit orteil, tomber sous le coccyx, c'est tout du pareil. Mais le pire, le plus inattendu, c'est le choc électrique sur le coude. Tu y vas un peu fort en mettant tes coudes sur la table. Choc électrique sur le coude. Tu joues au bras de fer avec quelqu'un pas trop aimable. Choc électrique sur le coude, tomber dans les marches. Se fermer le zipper sur le gland. Se cogner les dents. Mais le pire, le plus déplaisant, c'est le choc électrique sur le coude. Vas-y Marcel. Glisser sur une pelure de banane. Écouter un disque de Francis Lalanne. Non vraiment, ce qu'il y a de plus terrible, c'est le choc électrique sur le coude. Testing de hockey tout le monde, on essaye les pieds. C'est parfait, on essaye les mains. Et attention, tu frappes les mains trop proches de mon visage. Je vais faire attention. Tu réponds du ton bouti cellulaire. Allô. Oui, mais vous êtes avant. Nous autres, on chante des chansons de gitans. Gitans dans ces gitans sautés, dans son berger au gay. On se promène en caravane et dans Rio. Caravane à Dario. Les caravanes seraient mieux que les autos, ça marche avec les chevaux. Oh, et puis moi je ne sais pas ce que fois je me suis acheté un char qui est pas parti. Mon deuxième qui a encore. Ah, petit char de marde. Les autres en jouent.
de la guitare, nous autres on est les plus bons duo de guitare. Wow, check la fille là-bas. Nous autres on tape dans nos mains et puis on fait des stepettes. Mais ça c'est pas vraiment chouette quand on veut jouer à la cachette. Prêt à prêt, j'y vais. Je joue plus, tu trouves tout le temps, tabarouille. Mais les gitans, ils aiment beaucoup la ville. Et très souvent, ils font faire du jogging. Mais on le répète, les autos, c'est pas de fort. Avec nos stepettes, on reste à l'échelle de bord. Mais c'est seulement quand on est au lit avec notre ami qu'on prend un peu de répit. Et tu tapes des mains, mon amour? D'où? Et tu tapes des pieds? D'où? De quoi de bon? Mais ce qu'on aime dans la vie, c'est le Brésil et la guitare. Oh, on a brisé la guitare. Et quand on est gitan tout le temps, on voyage en bohème. En bohème, 747. Voici une histoire américaine. Fou papa fait des lits de soin de soin. Quand je la raconte, mes amis ricanent. Fi pompon, fadidida, pouet pouet. Le président en habit du dimanche aurait tâté avec ardeur de jolies petites fesses blanches dans la maison de la même couleur. Elle est fâchée, madame, sa femme. Il a fait fâcher sa dame. La pauvre dans sa chambre, seule comme une conne, se caresse le Clinton. Parmi les présidents, beaucoup sont des tyrans. Mais lui, ce président, il tire un bon coup. Et il dit à la fille, c'est un secret qu'il faut taire. Mais c'est pas une secrétaire, c'est une stagiaire. Et tout ça aux frais des cons. Tout ça aux frais des cons. Tout ça aux frais des cons. Tout ça aux frais des contribuables. Si j'étais président, je ferais des choses à mes risques. Oui, c'est comme ça, quand on vit, on a des risques. Mais jamais des femmes, je ne toucherai des partis. Ce sont des partis politiques. Et quand on est un homme public, mais non pudique. Et que soudain, on publicise son pubis. Et que sous les draps, on fait l'usage de la peau. On brise l'image de son drapeau. À chaque employé que tu tires, les gens peuvent le lire. C'est pas bon pour la tirelire. Comment as-tu pu faire une si jeune stagiaire? N'oublie pas que tu avais cette stagiaire. Calembour. Merci. Le président, assis dans son salon, entouré de son conseil à ne pas suivre, espère qu'elles n'écriront pas un livre. Et tous ces cons. Et tous ces cons. Et tous ces cons. Et tous ces conseillers sont baisés. Quand j'étais petit, on m'avait dit que dans la vie, c'est ça aussi. Pour un enfant pas tellement grand qui est assis là sur le divan, tous ces endroits qui sont tous là, la vie qui est là et toi et tout ça. Et puis maintenant, te voilà là. Et tu sais pas ce que c'est pour autant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça même et comment. Et que la vie nous a pas dit quand, comment, qui, pourquoi. Excusez-moi, quelle heure est-il. Il ne faut pas ce que ne sait pas, puisque la vie, car ce n'est pas ça. Moi, ça va et toi. Tous ensemble. Et pourtant, y'a des enfants et des divans, et tant
De quoi j'ai l'air si je vous dis ce qu'il faut faire? Je vous dirai plutôt ce qu'il faut pas. Qu'il faut pas me dire. Faut pas croire tout ce qu'on te dit, qu'on te dit. Surtout ce que vont te dire, qu'on te dit. Faut pas dire espèce de déficience, c'est pas poli. Faut dire monsieur le président. Si Pascal Obispo est le fils de Pablo Picasso, faut pas penser que Dalida était la fille de Dali. Faut pas faire de faux passeports, faut pas faire de faux papiers, faut pas faire de faux pas, faut pas avoir de faux pieds. Quand on est pris la main dans le soutien-gorge de sa stagiaire, faut pas se laisser tenter à lancer des missiles en l'air. Faut pas de rapport sexuel clandestin, même si le rapport sexuel c'est le destin du gland. Faut pas que les gens mettent les coudes sur la table, pas l'idéal. Faut pas non plus mettre les gens sur table d'écoute, c'est illégal. Faut pas siffler les dames sur la rue, faut pas non plus leur siffler dans le... Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas poli de jouer à la chaise. Quoi? Au cimetière, perd la thèse. Ah, faut pas rire de quelqu'un qui a des tics, mais plutôt de quelqu'un qui a pas d'éthique. I was wrong. Il faut pas déterrer de vos parents décédés dans le but d'avoir un Yves Montand d'argent. Faut pas Laurent vouloir, c'est pas la faute à Laurent. Il faut pas tant vouloir, faut pas vouloir tant. Faut pas écouter cette chanson rien qu'une fois, alors rejouez la don. Hey! Prêt. Et le technicien à la censure. Ouais. Hier soir à la télé, il y avait un film très osé. Je me suis dit, ça tombe bien, je voulais me... La première scène, il y avait un mec et deux belles acolytes. Idéal pour virevolter ma... Pourtant, moi, ça me fait que dalle. J'aime mieux regarder le journal. Ce type de cinéma ne plaît qu'à un anormal. Tout à coup, il y a la scène dans le train avec un monsieur et une passagère qui lui ronge la... Il la remercie et puis lui propose en plus de la lui introduire dans... D'habitude, ça ne me fait rien du tout, c'est scénario un peu fou. Mais pourquoi ne pas en voir encore un petit bout? Mais maintenant ça y est, c'est la scène du garagiste avec la pompiste qui lui plaît. Le voilà qu'il a tout en la... avec ardeur pendant qu'elle fout le radiateur. Mais ça ne me fait pas grand chose, tous ces mouvements de chair rose. Tiens, je crois que ça continue après la pause. Bit cul chatte jouis. Poil, fesse, tauris. Putain, je crois que t'as pas mis les censures aux bonnes places. Et voilà. Alors, je vous en pousse une autre. Ouais. Oh, on a une petite dame qui se réchauffe, là. Bon, allez, on y va. Marjolaine avait mauvaise haleine et chacun savait pourquoi. Elle avait toujours la bouche pleine et c'était pas du nougat. Elle faisait tellement de pipes qui n'étaient pas en bruyère. Elle n'a jamais vu le visage d'un type mais des milliers de derrière. Tout le monde, les petits poils étaient en, les bêtons, les petites fesses, les cucus, poils, poils. Les poils, les petites de fesses, les bêtons, les petites fesses, les poufous, les poufous, les pilolo. Les fesses, les coucouilles, les coucous, les testicules, les petits pompons, les petits pompons, les petits poufous. Et voilà, merci. Bah moi je vais faire une petite pause. Oh, tu nous en pousses sinon. Bon, 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 une dernière avant la pause. Ouais. C'est l'histoire de mes conquêtes. Lucille était docile. Elle prenait mon projectile et se l'envoyait dans le mille. Lucille. Oh, oh, oh. Chez Margot, il faisait chaud. Je ne l'ai jamais vue que de dos, car elle préférait par le recto. Margot. Catherine, la coquine, s'empare de ma figurine et la fait marcher comme Chaplin. Catherine. Tous ensemble. Voilà. Bon, alors je vais à la pause. Attends Christian. Quoi? Pousse-nous l'air des nichons. Ouais, c'est tout à l'heure mes amis. Pousse-nous l'air du trou du cul. Bon, tenez. Quel bon de con. Ça va Christian? Ouais, devine.
Qu'est-ce que t'as ? On dirait que t'en as marre et que tu vois gris. Non, j'en ai marre du grivois. Qu'est-ce qui te prend ? Il me prend que j'aimerais jouer du classique et que j'aimerais faire de la poésie. Hein ? Plutôt que de chanter ces conneries. Comme le truc classique dont tu me parlais l'autre jour, là. La musique pour cocu. Quoi ? Ça s'appelait T'as couché avec qui ? Tchaïkovski. Ah bon ? Je voudrais chanter des textes de poètes. Pas de problème si c'est des poètes cochons comme Baudelaire. Baudelaire n'était pas un poète cochon. Ah non ? Mon vrai rêve, c'est de jouer du Beethoven. Ah, Beethoven, c'est lui qui a composé Aline la salope. Sonate à la lune. Et Lorraine a joui. L'hymne à la joie. Et son truc sur la cochonne difforme, là. La folie du cinquième saint. La cinquième symphonie. Et il y avait pas Mozart aussi ? Mozart, oui. Avec la turlute de Chantal. La flûte enchantée. Oh, c'était que ça ? J'en ai marre du cul. Je voudrais jouer de vraies belles choses. On fait chier, c'est nul pour les affaires. Ça, c'est le patron qui parle. Bah ouais. Bah, j'aimerais que ce soit l'ami qui me parle. Écoute, Christian. Ouais. Tu sais, mon copain. Quoi non ? C'est chier, c'est nul pour les affaires, tu vois. Bravo, ah. Top différence. N'est-ce pas ? Tu m'avais dit au début que c'était une boîte intellectuelle. Pas du tout, je t'avais dit que c'était une boîte à intérêt sexuel. Bon, ça y est. Notre établissement a un grand nom, tu sais. Tu parles, le café, les petites fesses. Oh, mais qu'est-ce que t'as la tête dure ? Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Aïe. Oh, pardon. Pourquoi on n'essaie pas de faire des concerts de classique et de poésie ? Parce que ceux qui écoutent du classique et de la poésie boivent que des tisanes. Oh. Combien d'années tu crois qu'on va tenir avec des tisanes ? Je sais pas, une tisane d'années ? Moins que ça, mon pote. Y a pas de fierté à faire le métier que je fais. Oh, ça, c'est la version de ton père. C'est ce que je dis, c'est de la perversion. Je te reconnais plus. Bah d'accord, j'irai jouer ma saine musique ailleurs. Je veux pas que tu t'en ailles, Christian. Je veux que tu chantes des chansons grivoises dans cette boîte. Bon, passe-la-moi. Tiens. Le cul de Madeleine. Tu vois, t'es fait pour ça, toi. Je l'ai mis dans ma bouche. Parlons cinéma comme chaque semaine avec Kevin Costner. Eh oui, eh oui. Ah là là, désagréable. Il paraît que ça fait très mal. Mademoiselle, vous arrivez comme le printemps. Voici le téléstar de cette semaine. Voici votre téléstar. Voici votre téléstar, Mademoiselle l'ingénieur. Eh oui, eh oui. Mademoiselle, voici le téléstar de cette semaine. Voici votre téléstar. 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 Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. Téléstar. Eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui. Téléstar. Voici le téléstar de cette semaine. Mademoiselle. Mademoiselle. Voici le téléstar de cette semaine. Mademoiselle. Mademoiselle, voici votre téléstar, eh oui, voici votre téléstar, eh oui, voici le téléstar de cette semaine. Mademoiselle, mademoiselle, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, téléstar, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, téléstar, voici le téléstar de cette semaine. Mademoiselle, mademoiselle. Voici le téléstar de cette semaine. Mademoiselle, mademoiselle. Voici votre téléstar. Eh oui, voici votre téléstar. Eh oui, voici le téléstar de cette semaine. Mademoiselle. Bon, le guitariste, où il est ? Je sais pas. Meuf là ! Mais fais gaffe, regarde où tu vas. Bon, on y va. Si toi t'aimes ça, mais moi j'aime que ça. J'aime que ça, j'aime que ça. Mon manager m'a dit, t'auras un succès inégalé. T'as qu'à chanter comme si tu causais à travers une porte fermée. Quoi ? Avez-vous remarqué que j'ai l'air sous quand je chante ce titre ? Et quand tu chantes un titre sous, ben il faut des sous-titres. Oh, j'aime que ça. J'aime pas ça. You're making me crazy. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Quand tu chantes, on croirait tous que t'as une patate dans la bouche. Mais c'est pas tout, faudra faire des spectacles et ça, j'aime pas ça. Parce qu'il faut se souvenir des paroles, bon, la 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 la. Mon manager me dit, c'est pas grave, on fait pas si t'aimes pas ça. T'as qu'à prendre l'oseille, tire-toi et t'as qu'à mener une vie de pacha. Mais j'aime pas ça. Bye-bye.
vocabulaire, c'est fouillé, mais il y a un producteur, ça a l'air qu'il veut faire un disque avec ça. Ça va jouer partout sur la terre et puis ça va se vendre à coups de millions. Quoi la peine de se forcer, mes frères, pour les paroles d'une chanson, t'as juste à faire pirel. Il fait dur, dur mon CD. Il fait dur, dur mon CD. Il fait dur, dur ton CD. Bientôt on commencera notre carrière en fœtus dans le ventre de notre mère. Les gérants les plus avides feront chanter les spermatozoïdes. Nous sommes les spermatos, on est comme les artistes. On cherche les vrais tarios, y'en a rien que des gros cas. Entendre un enfant mal chanter ou entendre chanter mal enfant. C'est dur, dur d'être endetté. Hey, toi, bébé, t'as-tu fini de chialer? Parce que dans le fond, t'es un petit peu gâté. Pense donc de temps en temps à papa et puis maman. Quand toi, petit bébé, toute la journée, tout ce que t'en penses, c'est... Pourquoi je veux un cornèche? Je vais manger mal au cœur. Je te réveille à toutes les heures. Chérie, où que sont les gravoles? Dans la boîte au-dessus du bol. Mais il ne reste plus une seule. Le bébé qui fait le mongol. Je mouille mon lit et moi et mon ami Toutou. On est toujours together. Et je tripe, voilà. Il a avalé tout le pot. Je murmure comme un moté. C'est dur, dur m'entendre chanter. Le de papa était dur, dur quand il m'a fabriqué. C'est sur le tapis, mur à mur, que j'ai dégobillé. C'est sûr, sûr que je vais tomber. Je suis un raté, 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 oui, oui, moi, je suis un raté, le seul jour où j'ai pu attirer l'attention, le jour où le médecin a dit à maman, je crois que c'est un garçon, les seuls moments où on me félicite. C'est par écrit au début de la notice pour l'achat de ce nouveau mélangeur électrique. Je suis allé à la banque pour négocier un emprunt, mes amis. Mais la seule chose que j'ai pu emprunter, c'est la sortie. Des gaffes, vous savez, j'en ai toujours trop fait. J'ai même gagné le trophée des gaffes. Ah oui? Ouais, je suis un raté. Je suis un raté. Je suis un raté. Hey, je suis un raté. Je suis un raté. Je suis un raté. Mais il y a un grand chanteur de blues français qui lui me trouve super. On me le dit à chaque jour, personne te trouve super. Il y en a qui me disent mais non, t'es tout le contraire de raté. Mais le contraire de raté, comme vous le savez, c'est taré. Moi, une femme qui crie quand elle jouit, ça m'indispose, ça me tue. Il faudrait bien que je lui dise un jour à la voisine du dessus. Un jour une belle fille m'a souri, car effectivement j'ai une petite souris qui s'appelle une belle fille, je vous l'avais pas dit. Et ma souris que... Qu'est-ce que je voulais vous dire, je me souviens plus là. Mais ça me fait encore pour vous parler de mon pauvre statut. Ah oui, je suis allé au pet shop du coin, je voulais un job. Ils m'ont fait un shampoing et m'ont mis dans la cage du bulldog. La seule fois où une femme m'a dit quelque chose qui ressemble un peu à « je te désire », c'est quand ma mère m'a dit « je te désirite ». Je suis un raté, je suis un raté, qu'un pauvre raté, je suis un raté, je suis un raté. Yeah. Yo, je me fie à, je me méfie de la technologie, oui je me fie à, je me méfie de la technologie, je me fie à, la technologie, je me fie à, la technologie. Yo, d'abord les bagnoles, tu sais les voitures à l'époque, quand elles marchaient pas, un coup de pied sur le moteur pouvait faire l'affaire. Mais aujourd'hui ton coup de pied, tu dois le mettre au cul du type du concessionnaire. Oui monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'elle a votre voiture? Il y a combien de kilomètres? Et bien garanti. Autre exemple, à l'époque, les lave-linges, c'était simple comme tout. Il y avait lavage, rinçage, essorage et c'est tout. Et même sur certains modèles, il n'y avait même pas le c'est tout. Non, ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a trop de choix. Ouais. Tissu délicat, tissu synthétique, tissu laineux. Et qui sûr, tu comprends cette machine de mes deux. T'en as marre de faire le lavage, ma poule. Oh, comment tu m'appelles? Pardon. Yo. Ma Whirlpool. J'aime mieux ça, n'est-ce pas? Et parlons pas des ordinateurs. Non. Non. Les ordinateurs. Tout se fait par ordinateur, sauf l'amour, n'est-ce pas chérie? Pas ce soir mon amour, je bave dans le disque dur. Oh non. Joue avec ta souris. C'est la naze cette nana. C'est la naze cette nana. C'est une nananaze. Nananaze. Nananaze.
Je ne me fie plus. Je me suis jamais fié, moi. Non, non, goût sur la technologie. Alors Bill Gates, on l'a dans le quoi? Ouais. Bill Gates, on l'a dans le quoi? Bill Gates, on l'a dans le quoi? Alors quelle est la réponse, monsieur Bill Gates? Je sais pas, mais c'est un peu serré comme endroit. C'est la cola, c'est la cola, c'est la cola, la la. La technologie. Et c'est pas tout, il y a les mœurs. Ouais. Quand j'étais petit, ah, je regardais les petits bonhommes sur les bandes dessinées. Et aujourd'hui, c'est des petits bonhommes dessinés qui bandent. C'est plus pareil, non, il y a plus de Tintin. Il y a plus de Tintin. Non, il y a plus de Tintin. La technologie, c'est le nouveau millénaire, tout va craquer, la surpopulation. Millénaire, de tout le monde vont craquer, elle est pas sûre, la population. Et quand viendra le temps de... Mais qu'est-ce qui se passe avec les musiciens? Non, c'est une machine, elle a dû s'arrêter. Un autre avantage de la technologie, je me fie. Je me fie pas. Je me fie plus, jamais. Non, je me méfie. Je me méfie, vous méfiez. La technologie. Quand je chante comme ça, en France y adore ça. Mais ici quand t'entends ça, tu rêves que tu me bats. À coup de bordelelle, jusqu'à temps que je ferme ma gueule. Même les gens qui nous ont pas vus savent bien qu'on chante avec la bouche en forme de trou du solo. Les filles ne nous embrassent plus à cause de cela. Ça fait qu'on a les couilles grosses comme une paire de bouteilles d'Orangina. Notre CD a tourné dans tous les broyeurs à déchets. On dit que les Français, nous, on chante le jazz pas très bien. Mais par contre, on dit qu'on chante le rock pas très bien non plus. Mais moi, je peux vous faire un petit solo de jazz vocal. Coup des pieds, des pas, de bon papa, des côtés de la de pas, de couilles, de la, de couilles, de chat, de la, de cap, de mi. Bon, 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 soin, soin, fibidi, clacada, dévelé, de l'aide, 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 de Oh, 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 oh. Et comment elle s'appelle cette belle petite fille? Clépetard. Comment? Clépetard. Bon, écoute, ma petite Clépetard, qu'est-ce que t'aimerais avoir pour Noël, toi? Un tic-tac. Oh, oh, oh. Peux-tu répéter? J'ai rien compris. Un tic-tac. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que t'as dit? Un tic-tac. Oh. Père Noël dans les maisons qui a pas de cheminée. Il voit la thermopompe, il se dit c'est par là que je vais passer. Des petites mousses rouges et blanches flottaient partout dans maison. Ça venait des bouches d'aération. À part de ça, j'ai reçu une belle table Ikea. Oh, cette table avec le petit sac de vis, c'est ben nice, simple, c'est un maudit gréement. C'est pas votre clé à laine, y'a une prise d'angle de la chienne. La voisine. Ça nous a pris une semaine, ça a fini en sculpture contemporaine. Notre nouvelle table, c'est génial. Ça me fait penser à... De mon beau-frère, j'ai eu des running shoes qui éclairent. Y'a juste tes beaux-frères qui donnent des cadeaux que jamais tu t'en sers. Hey, des running shoes, Kalim. Ah ben, merci le beau-frère. J'ai toujours rêvé d'avoir l'air de Pink Floyd, moi, quand je marche. Moi, arrête donc! J'y fais un petit sourire, faux débit, mais je vais l'échanger contre un Ghostbuster chanteur. Check ça, moulin! Ben, music! Mon oncle Arthur, lui, a reçu une belle peinture. Oh, la belle canne de latex semi-gloss. Paul y a acheté des souliers à Carole, mais c'était pas bonne pointure. Ils sont beaux. Arthur, avec, ouais. René jouait avec son petit clavier, puis c'est brisé.
ciel. N'oublie pas de bien viser le chaudron. Dans le temps des fêtes, y'a des vendeurs qui sont bêtes. Excusez ? J'y avais justement dit ces décorations, ça venait avec le sapin. Mais les décorations, ça venait pas avec le sapin. Mon dit air de bœuf, mon sapin, je m'en l'ai acheté de l'autre bord de la rue. Il obtient pour toi le beau ciel bleu et le chant de Pâquerette. Le Père Noël d'un building, pas d'ascenseur. Dispatcher de Père Noël. Boss, y'a pas d'ascenseur, fait que je peux pas faire tout le building. Oh, oh, oh. Si tu veux faire tout le building, moi te dire comment faire. Ouais, donc. Si tu veux faire tout le building, tiens-toi en bas de l'escalier. Le Père Noël a fait tout le building. Les crottes de chien, à Paris, y'a toute l'histoire des monuments, mais y'a aussi les crottes de chien, qui vous attendent quand vous tournez au coin. Ouais, mon frère, yo yo, ouais, j'ai une paire de converses toutes neuves, ouais, j'ai une paire de converses toutes neuves, y'est pas question de marcher dans la merde, car c'est indélogeable dans une semelle de converses. Ouais, t'arrêtes là. Oh, j'ai marché dans la merde avec mes converses. Bah, regarde où tu marches quand tu converses. À Paris, dans le 8ème, une chaude journée d'été, on regarde les belles demoiselles marcher et on leur crie, hé madame! C'est pas mal quand c'est celle de Chihuahua, mais quant à celle de Danois, vous êtes-vous fait déjà engueuler pour avoir laissé votre chien se soulager? Eh hey, dis donc, vous vous prenez pour qui? C'est ça, et lui c'est Kiki. Viens Kiki, viens. Imaginez si les lois municipales étaient plus sévères. Vas-y Kiki, vite. Oh merde. Les autorités devraient se forcer pour y voir. Les petits chiens se forcent beaucoup plus que sur le trottoir. Y'a toujours un petit tas qui guette vos chaussures coquettes, peu importe la classe sociale de laquelle vous êtes. Quelle superbe journée! Attention, monsieur le ministre, vous allez marcher dans la quoi? Vous allez marcher dans la France. Je vous dis, vous allez marcher dans la. Ah, merci, j'ai échappé belle! Oh, le poteau, vous êtes mal, on frappe pour le poteau, le poteau. Un vieux règlement dit qu'on devrait mettre ça dans un petit sac. Oui, mais faut pas se tromper avec celui où on a mis les beignets. Ah non! Heureusement que les girafes ne sont pas domestiques. Ça se fait vraiment problématique. T'as vu mon frère, je les ai toutes évitées, les crottes. Bon, attention, fais gaffe plus haut. Qu'est-ce que t'as dit mon frère? Fais gaffe plus haut. Fais gaffe mon frère. Putain de girafe. Voyez-vous, c'est pas si mal avec les clébards. Follow the legado, battle go. Trotte de chien. À Paris, y'a toute l'histoire des monuments, mais y'a aussi les crottes de chien. Qui vous attendent quand vous tournez au coin. Les petites bêtes, oui ça m'embête. Les araignées ça me fait chier, les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche. Et les cliquets ça m'est fait, pas de tête de tuile. Yann Libellule qui est entré dans mon pull. Une coccinelle, en lavant la vaisselle. Les moustiques c'est pas chic, les souris j'ai pas envie. Les cafards j'en ai marre, les clopes que le diable les emporte. Les hannetons je trouve ça con, les papillons c'est pas très bon. Les chenilles, non. Les sauterelles, les cigales et les puces. Toutes ces inventions ont été faites sans raison. Mais non, ça sert à nourrir les joies. Dire qu'il y a des gens qui s'en font une collection. Et qu'il y en a d'autres qui s'en font un gueuleton. Les fourmis, les lucioles, les amis, j'en ai ras-le-bol. Les guêpes et les abeilles, pour moi c'est du pareil. Toutes ces créatures nous rendent la vie plus dure. Ma voisine, ma voisine. Bonsoir. Et ma voisine, cette coquine. Elle est un peu grasse, juste assez, oui mais pas trop. Juste un petit surplus de peau qui fait que tu te sens comme sur un bateau. Le jour on peut voir son sourire, le soir on peut l'entendre jouir de toutes les nymphos de la terre, oui c'est sûrement la pire. Elle a tellement de visites que son plumard est aplati. Elle a vu 100 fois plus de bites que tous les urinoirs de Paris. Les messieurs qui se présentent chez elle se font vite enlever leurs bretelles. Et tout à coup, c'est Noël. Que tu habites au-dessus, que tu habites au-dessous. Elle a la bite en dedans et ça s'entend. Parfois on pense que c'est quelqu'un qui a déclenché l'alarme. Mais ce ne sont que ses charmes. Un soir, y'en a un qui devait avoir une très grosse verge. Car elle criait tellement que j'ai dû appeler la concierge. Quoi, elle fait trop de bruit, vous voulez que j'aille l'avertir? Non, déshabillez-vous, ça m'inspire. Quand son petit tunnel accueillait son premier wagon, se
doutait-elle qu'elle venait d'ouvrir la gare de Lyon. Quand son petit pain accueillait son premier jambon, se doutait-elle qu'elle venait d'ouvrir une chaîne de restaurants. Le jour où cette dame a perdu sa virginité, je vous assure qu'elle a pas dû fouiller dans tous les coins pour la retrouver. Hier encore, un homme a pénétré dans son appartement. C'est comme ça que j'appelle sa foule devenue si vaste avec le temps. Solo. Tu vas y aller. C'est ça. Ma voisine, moi aussi. Quoi, au revoir. Ma voisine, cette coquine. Un, deux, vous m'entendez? Ouais. Bonsoir. Alors, je vous remercie d'être présents à mon spectacle, tous autant que vous. Tous les deux. Et je vais vous interpréter cette chanson qui est vécue. C'est quelque chose que j'ai vécu intérieurement. J'aimerais vous le communiquer en musique. Ça s'intitule Mon petit chien. C'était mon petit chien. C'était mon petit chien. Il faisait jamais ce petit besoin dans mon jardin. Il allait chez le voisin. Il revenait avec une trace d'espadrille dans l'arrière-train. Vous êtes trop gentil. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. En tout cas, vous avez déjà acheté le disque, alors on n'a plus rien à branler. Et même si ça ne se prête pas au style de tous, certains croient que d'ajouter quelques cloches fera l'affaire. Les disques suprêmes présentent un Noël dans tous les styles, dont le Noël du rappeur. Petit papa Noël, petit papa Noël, quand tu descends dans le ciel, n'oublie pas mes petits souliers, petit papa, petit papa, petit papa. Petit papa Noël, ouais. Petit papa, petit papa, petit papa Noël, petit papa, petit papa, les bobos de petit papa, petit papa. Également, le Noël blues. Woke up this morning, yeah, and found out that all the great and Christmas tree all stuffed in my ass. Noël de musique traditionnelle indienne. Et que dire de Noël free jazz? Vous retrouverez aussi Noël chanté par une vieille tribu quelque part. Le Noël électroacoustique expérimental. Un Noël dans tous les styles. Un disque du clochiste Paul Burguilu. Partir un jour pour son détour, c'est dangereux, faut faire des détours. Car si tu tournes jamais en marchant sans arrêt, tu finiras par frapper des objets. Partir un jour sans bagage, je les oubliais sur ton étage. Lavais mon ourson, lavais mes caleçons et 12 exemplaires du Nouveau Testament. Pour l'envie que l'on a de vider son estomac, à chaque fois qu'on entend cette chanson-là, imagine un week-end avec moi. À manger des légumes avec maman et papa. Partir un jour, c'est un peu court. C'est bien mieux de partir au moins deux jours. T'as entendu mon amour? Quoi? C'est un calembour. Bon ben je crois que je vais prendre une Cronenbourg. Partir un jour, ça me fait penser à une autre mélodie. On est des gars gentils, on rend visite aux mourants au chevet de leur lit. Depuis aucun n'est mort de sa maladie. Mais d'ennui. Salut monsieur, nous sommes les Doubitris. Monsieur, moi je suis beau, je suis honnête et propre et tout. Mais ma copine se plaint beaucoup que sexuellement c'est moi le pire, que je l'ai jamais fait partir et qu'elle aimerait bien éventuellement partir. Depuis notre
chante dans un boy band, mais je suis pas un boy qui bande. On peut pas tout avoir. Partir un jour, on n'a rien inventé. Toutes ces mélodies, mon grand-père les chantait. Aujourd'hui, c'est pas évident d'écrire une chanson qui nous rappelle rien. Allez-y avec votre putain de passage vocal de mes deux. Ok les mecs, c'est le moment de prouver que vous pouvez faire une chorégraphie en chantant. Partir un jour, faire un tour, et revenir un autre jour, et retourner dans mon pied, acheter ma gueule et tu es allé. Quand j'étais petit, je ne savais pas. Oui, mais jamais la vie, c'est cela. Comme un bateau qui ne sait trop si sur le quai il y a un petit oiseau et un enfant tout innocent. Et tous ces gens savent pas comment. Ni qui, ni si, ni quand, ni qu'on, ni qu'une, ni quand, ni quand, ni quand, ni qu'une. C'est pas juste quand on te dit qu'il n'a pas vu grandir lui aussi tous ces tracteurs dans les rangs qui ne savent rien, pourquoi, comment. Et quand le temps ne sait pas de qui, de qui, de quand, de si, de temps, ni quand, comment, pourquoi, c'est qui. Si quand tu dis n'a qu'à. Quand je suis pas sage, ma mère, elle se sert de moi. Comme robeuse à fromage ou bien comme au peneur de canage. J'ai l'air d'un bouchon de bière tourné à l'envers. Puis d'un restant de cornet de crème à glace mangé de travers. Je travaille dans une usine d'affichage, dans la section du découpage. Je taille des pancartes d'arrestop, puis c'est drôle, j'ai rien comme planter la tête dans une feuille de tôle. Ajoutez à cela mes deux yeux cuits durs. Quand je te regarde en face, tu penses que je regarde ailleurs. Moi pis ma famille, une fois rassemblée, on a l'air d'un six-pack de bouteilles consommées. Un dessinateur industriel a pris sa plume. Il voulait dessiner un ses frères à cheveux, je présume. Il a ajouté deux yeux rien pour s'amuser. C'est comme ça que tes épiques sont cachés d'entrée. Depuis que t'es là, les schtroumpfs qui pognent les bulles. Les pierres à pique tête qui rochent un peu. Ça a l'air que super héros ça pointe plus. Ceux qui pognent un star, c'est les faces de petit cul ému. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avec une tête comme la mienne, tu te laves la tête le lundi, puis c'est sec en fin de semaine. Puis à mon chemin, quand tu tombes sur la tête, ça fait mal. Mais le pire problème, c'est que tu restes planté dans la salle. Dans les soirées, les gens te prennent pour un cendrier. Faut que tu rentres bientôt pour vider tes mégots. Quand tu prends l'autobus, faut pas que tu te tiennes en avant. Sinon, tu ressors avec de la monnaie plein la tête au terminus. J'ai rien qu'une blonde, pis quand elle m'a vu tout nu, pis qu'elle a vu mon petit bâton et taillé pareil comme mon front, elle dit ben, si tu, moi je vais y aller, moi coudon. J'ai rien qu'une petite question, ça doit te coûter cher en condom. Moi, j'aime le basketball, mais je peux pas y aller. Chaque fois que je vais voir une game, ils me prennent pour elle panouille. Y'a quelqu'un dans la ruelle qui me dit qu'il veut me fesser. Je me mets à côté d'une poubelle, c'est elle qui mange la volée. Un dessinateur industriel a pris sa plume. Hey. Il voulait dessiner un séchoir à cheveux, je présume. Oh. Il a ajouté deux yeux rien que pour s'amuser. Oh. C'est comme ça que tes épiques sont cachées rentrées. Oh. Depuis que t'es là, les schtroumpfs t'es poignées d'eux. Hey. Les pierres à tout peut-être qui rochent un peu. Sarpoint. Ça a l'air que super héros, ça pointe plus. Non. Ceux qui poignent à se tâcher les faces de petits cul émus. Oh, bah, boy.
Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Dans un bled perdu sur une route sans issue, tout le monde au snack bar chez Léon. Aménagé dans une vieille roulotte crade où on vous sert une salade, dans laquelle on peut voir des coccinelles en escapade. La grosse Carole, elle est joufflue et a des fautes sur son menu. Les banquettes sont en bois et y a des écharpes dans ton cul. Repas du jour, je te suggère repas toujours. Y'a un cheveu sur ton steak et le chef y'a une frite sur la tête. Au comptoir, on peut s'asseoir juste à côté du gros motard qui a pas de dents. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Ça fait une boule sur l'estomac, ce qui fait que deux lits partent. Quand elle y va, ça lui en fait froid. Le soir, quand les lumières s'allument, y'a des néons qui sont manquants. Alors, au lieu de restaurant, c'est écrit restant. Manger là-dedans, c'est pas mal dans un sens. Il se pourrait que ça remonte dans l'autre sens. Y'a des mouettes dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Oui, viens ma chérie, allons nous mettre en ligne et puis chantons. Tout le monde au snack bar chez Léon. Quiche au jambon, quiche au fromage, quiche qui va être malade, c'est moi, c'est dommage. Pas compliqué, tu roules et tu vois rien à l'horizon. Et soudain c'est snack bar chez Léon. Snack bar chez Léon. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Entre deux villages creux, dretz bar la 132. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Aménagé dans le milieu de nulle part, pleine moitié d'autobus. Sur un terrain, terrain parsemé d'herbe à bus. La serveuse échouflue, pas fait des fautes, son menu. Une vieille tabac pique-nique, tu prends des écharpes dans ton cul. Repas du jour, je te suggère pas toujours. Y'a un cheveu sur ta boulette, pis le chef y'a un pickle sa tête. Au comptoir, il ferme le screen pour être sûr de bien garder mon chandail. Snack bar chez Raymond. Chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Pour oublier ton calvaire, un bon burger qui coule à terre. Pis mon vieux, quand tu reviens manger là, ça fait une boule sur l'estomac. Pas que dans les parten, quand il va, ça y a fait trois. Le soir, l'annonce, ça s'allume, pis manque des lettres dedans. Pas qu'au lieu de restaurant, c'est marqué restant. Manger là-dedans, c'est pas pire dans un sens. Ça se pourrait que ça revienne dans l'autre sens. Y'a des mouettes dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Snack bar chez Raymond. Hey, hey, hey. Snack bar chez Raymond. Viens t'en bobber, on s'en va faire la file avec des morons. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Que tu y aux œufs, que tu y aux poulettes. Que tu dans la face full de ketchup si tu l'es. C'est pas compliqué, tu roules, pis tu vois rien à l'horizon. Pis mané, c'est snack bar chez Raymond. Okay. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Tant qu'à manger cochon, tous pénalis dans les bas-fonds. Tout le monde au snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. T'as lieu
trois verres de cibole de cholestérol. Tout le monde au snack bon chez le bon Si t'es du genre à surveiller ce que tu manges, mais surveille ta boulette, elle peut se pousser entre les deux tranches. Un bon hot dog graisseux qui goûte la même chose que les œufs. Tout le monde au snack bon chez le bon. Bonsoir. Quelle journée. On m'a demandé il y a trois jours de remettre la palme d'or. J'étais très honorée, j'ai pas hésité une seconde. Il a fallu beaucoup de choses. Alors j'ai fait 18 discours, j'en ai écrit 5. Des films. Je vais y arriver. Le palme d'or, pardon, je vous ai interrompu. Si je vous ennuie, dites-le moi. Bonsoir. T'as besoin de quelque chose dont t'as pas besoin, regarde téléachat. Pendant une heure, on cause du même foutu machin. Laissez-moi vous introduire ce trou du qui vous détrousse avec un truc qui se retrouvera dans les détritus. Bonjour Raymond. Bonjour Jean-Pierre. Chacun sait que la peinture c'est sa licence. À qui dis-tu? Voici Roller Painter pour pas de la merde. Tu mets la peinture dans le tube, y'a rien à laver et ça repeint tout seul. Ouais, mais faut laver le tube. Non, mais tu la fermes ta gueule. Ce produit est vraiment une valeur sûre. Ce fut dit l'outil. Ce sont des objets, oui, qui sont pratiques. Mon petit outil. Tu sais bien qu'on achète ces liens par le biais des médias. Les téléachats. Je regarde toujours ça. Les produits qu'on y voit. Je les ai toujours pas. Téléachat, si tu veux mon avis, c'est vraiment ta... Pardon. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Pierre. Y'a rien de pire quand tu veux te gratter à un endroit où tu peux pas, parce que t'es à un endroit où tu peux pas. M'en parle pas. Ouais, si je me gratte à cet endroit, même si je fais à cet endroit. Tu vois cet objet? Ouais, ouais. Je le lance. Tu l'as vu? Je le vois. Je me suis gratté, tu m'as pas vu. Eh ben ça là. Les téléachats. Je regarde toujours ça. Les produits qu'on y voit. Je les ai toujours pas. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pauline. T'as un produit? Oui ma jolie. Tu vois, je frotte un peu de produit. Et voilà. Encore. Tu vois, je te frotte. On se reproduit. Bon voilà le refrain avec le type avec son clavier qui va encore nous les casser avec ses petits les téléachats. Je regarde toujours ça. Les produits qu'on y voit. Je les ai toujours pas. Les téléachats. Toujours ça, les produits qu'on y voit.
les téléachats. Je regarde toujours ça, les produits qu'on y voit. Je les ai toujours pas. Il faut se dire des mots d'amour, des mots d'amour, vive l'amour. Quand du confouillant, fripant, poche, trompe, trompe, bidon, gros cochon, tata, cucu, fifi, chouchou, pourri, macho, bandit, pas bon, verre, humeur, du morvement, moelle, ne boutonne, ne bouge, bouilleux, pédé, taré, enfoiré, dégonflé, enculé, mal baisé, salopard, ringard, renégat, c'est les rapaces de ragouge, aboyeur, emmerdeur, enquiquineur, voleur, prendeur, menteur, des pétales, dégueulasse, pas de marat, change de place, tu me les casses, putain, boudin, mesquère, un bon, rien, crétin, galope, un chien, en mécréant, pédant, et sans long, petit marrant, foutu, trou du cul, as-tu vu mal au truc, il tu cru, et pépère, et ta mère, et ta soeur, on t'a pas demandé leur, jaloux, filou, voyou, marabout, ton pibou, et tout mou, nasbou, capot, ta gueule, j'en ai rien à foutre, slum, moche, lâche, cloche, débarrasse, mets tes baloches, petite bite, hypocrite, parasite, sac à merde, trouble, peine, une peine à jouir, pendant toute la rétère à terre, ah, vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, ah, vive l'amour, bon, tiens-toi, casse-toi, fou, qu'on va chier, je t'emmerde pas ta boire, paille au balin, de quoi je me mêle, on s'en prend les trouillards, fils de chef, fils de pute, fils de gland, et tous ces beaux enfants, tête de mute, je t'en malbête, mais deux, fous les doigts dans le pavère et tout. Incompétent, incontinent, c'est les crottes de guerre, atypique, le mythe, tapette, la belle gobelette, soupe, terre, vomir, dictateur et encore pire. Toi, oui, toi, viens avec nous. Mais je suis un cul pourri, tata. C'est pas grave, oui, viens dans ce vélo. Mais je suis un battu du trou du cul. Ne dis donc pas cela et viens avec nous. Mais je suis un battu du concouillon, allons. Ah, puis tiens, retourne dans chez vous. Oui, mais ça, c'est de la discrimination. Ah, t'as vu, de l'amour, de l'amour, ah, de l'amour, ah, de l'amour, de l'amour, de l'amour, ah, de l'amour. Mes dents, elles en ont petit marron. Vive l'amour. Bon, on tient pas qu'à toi, l'amour. Pas si je t'en viens pas qu'à voir. Ah, vive l'amour. Dites de chien, dites de gants et tous ces beaux enfants. Vive l'amour. Taille au parano, de quoi je me mêle, on s'en prend les couillards. Ah, vive l'amour. Là le temps des fêtes, là le temps des fêtes. Dans la rue y'a des petits flocons, mais surtout des mecs avec des petits flacons. Il y a des décorations partout, c'est le général qui va être jaloux. Les cadeaux qu'on échange entre copains, le lendemain on les échange au magasin. C'est si agréable de donner un présent, surtout si c'est à quelqu'un qui est absent. C'est le temps des fêtes et on se fout de tout, se fout de tout, 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 tout. C'est le temps de se faire des souhaits. Je te souhaite de t'en tirer, Bill. Merci, Monica. C'est le temps de revoir les membres de sa famille, même si on a une tante qui est pas très gentille. C'est le temps d'être un peu fou et de boire un petit coup. C'est le temps de s'asseoir devant une bonne table, de blackjack et de miser son portable. Se réconcilier avec son cousin André, deux, trois claques et tout est pardonné. Roger a offert une bague à Caroline, mais elle lui a répondu j'ai déjà une copine. Dans les églises les prêtres sonnent le carillon, carillon plus personne à leur messe depuis 20 ans. Ah. Pour faire un arbre de Noël, faut aller se tailler un platane dans la ruelle. C'est le temps des fêtes, chérie. Oublie tes autres amis. C'est le temps.
moment de la trêve, les armées font la paix, afin de pouvoir frapper plus fort après. C'est le temps des fêtes, les potes, s'il vous plaît, enlevez vos bottes. Allez, allez, allez.